Bonjour, bonjour tout le monde. Comment allez-vous? Bonjour Marie-France, coucou Marie-Christine, hello Aude. Bienvenue, bienvenue. Allez, on commence tout de suite. Est-ce que vous m'entendez? Coucou Fabienne. Est-ce que c'est OK pour vous? Dites-moi. Avant que je commence mon petit blabla, autant que je m'assure que vous m'entendez bien. Alors, mettez-moi des petits pouces, des petits cœurs. Coucou ma petite Viviane, comment ça va? Alors, peut-être que si je prends ça comme ça m'aidera. Voilà. Alors, ah, super. Merci beaucoup Marie-France. C'est génial. Bon, alors j'espère que tout le monde va bien, que vous êtes en super forme aujourd'hui. Alors je ne sais pas chez vous, mais chez moi il fait un temps absolument magnifique. J'ai qu'une envie, c'est d'être dehors au soleil. J'espère que c'est pareil pour vous. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir compris que je ne pouvais pas faire mon live hier. Mais on se retrouve aujourd'hui avec un super projet qui, j'ai l'impression qu'il vous tentait bien, cette carte sans fin, qui est quand même super originale. Coucou Véronique. Bonjour Martine. Oui, pas très chaud. Quoique, quand on est bien au soleil, moi il fait plutôt bon. Coucou Nathalie, comment vas-tu ma belle? Alors, je ne vais pas traîner en chemin, j'ai beaucoup, 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 beaucoup d'informations à vous donner. Alors, pour commencer, si vous me rejoignez aujourd'hui pour la première fois, je vous souhaite la bienvenue. J'espère que vous passerez un bon moment en ma compagnie. Je suis Harmonie Marais, démonstratrice Stampin' Up, et chaque semaine, je vous propose un nouveau projet qui, bien sûr, est exclusivement réalisé avec les produits Stampin' Up. Bien sûr, hein, c'est logique, mais ne vous inquiétez pas. Si vous n'avez pas la même chose que moi, faites avec ce que vous avez chez vous, il n'y a aucun problème pour ça. Cependant, si vous avez envie, bien sûr, de réaliser à l'identique ces projets, je vous invite à vous rendre quelques minutes après le live sur mon blog harmoniescrap.com. Et là, vous y retrouvez un article complet reprenant donc le projet en cours avec des photos, une fiche technique hyper complète concernant le projet et bien sûr la liste des articles que j'aurai utilisés pour les deux versions. En parlant d'articles, je vous rappelle qu'aujourd'hui ont commencé les liquidations des deux catalogues. Et cette fois, il y a encore, même aujourd'hui, plein, plein, plein de produits. Des réductions allant jusqu'à moins 60%. Donc c'est vraiment le moment de vous faire plaisir avec les coups de cœur que vous n'avez pas eu le temps eh bien, d'acquérir jusque-là. S'il vous plaît, soyez sympa, ça serait adorable de votre part si, que ce soit sur Facebook, sur YouTube, peu importe, et bien que vous partagiez cette vidéo, simplement parce que peut-être elle peut intéresser d'autres personnes autour de vous, et c'est aussi grâce à cette méthode, grâce à vous, en fait, que je peux me faire connaître. Donc, voilà, un petit partage, des petits likes, et ce serait vraiment adorable de votre part. Vous le savez, Stampin' Up, pour le mois de mai, eh bien, fait une refonte des couleurs. Ils font ça à peu près tous les 5 ans, en moyenne. C'est pas toujours pile poil 5 ans, mais bon, à peu près. Donc, vous le savez, nous avons des couleurs qui, je crois, ont déjà commencé à disparaître définitivement. Certaines sont encore en stock, mais ça veut dire que plein de nouvelles belles couleurs arrivent très prochainement, en plus de nos habituels 5 Incolore. Coucou Fabienne. Bonjour Catherine. Donc, eh bien, je vous propose différents clubs pour que vous puissiez acquérir notamment ces différentes couleurs sans exploser votre budget d'un seul coup, voilà, de pouvoir étaler les choses. C'est pourquoi je vous propose plusieurs clubs différents. Je vous propose le club Incolore. Déjà, coucou Aurore. Le club Incolore, vous voyez, vous apercevez du coup les couleurs là, une partie. Bon, elles sont sur mon blog, hein. Vous avez tous les liens à disposition en haut de la vidéo sur Facebook et dans la barre d'infos sur YouTube. Donc vous pouvez d'ores et déjà vous inscrire à ce club. Ça signifie qu'en fait,
Tous les mois, pendant 5 mois, vous allez recevoir donc une couleur avec le papier, les blends, le ruban, enfin bon, plein de petites choses et évidemment des petits cadeaux, hein, parce que sinon ça serait pas drôle. Vous avez tous les détails sur mon blog, vous pouvez vous inscrire dès maintenant et ce club est ouvert toute l'année, donc si vous voulez démarrer au mois de juillet, bah, vous pourrez sans aucun problème, du moment que ça correspond à la fin de ces Nicolor, mais bon, celle-ci, eh bien, ça va durer 2 ans, donc on a de la marge. Concernant également les nouvelles couleurs, là, qui vont entrer dans les couleurs principales, c'est-à-dire les subtils, les royaux, les neutres et les brillants, eh bien, là, je vous propose un tout nouveau club qui va vous permettre, en fait, sans engagement, encore une fois, donc ça, c'est plutôt pas mal, contrairement au Incolor, où là, vous vous engagez pour 5 mois. Le club Colore ta vie avec Harmony Scrap, et bien là, en fait, vous pourrez chaque mois vous inscrire pour commander une, deux, trois, quatre, 10 couleurs, comme vous le souhaitez. Je vous fais un petit package avec différents produits dedans. À petit prix, c'est à 30 euros par mois, enfin par couleur, attention, 30 euros par couleur. C'est pareil, vous avez tout le détail sur mon blog, donc vous pouvez vous inscrire à n'importe quel moment de l'année. Cependant, donc vous devez vous inscrire, par exemple, jusqu'au 30 avril pour le mois de mai et ainsi de suite. D'accord? Le formulaire reste ouvert toute l'année. Et puis si vous avez des questions suite à la lecture de l'article, n'hésitez pas à me contacter. Dernière chose, le catalogue annuel, eh bien, regorge de magnifiques collections. On craque toutes et tous pour les superbes papiers design qui sont d'une excellente qualité. Mais peut-être que vous hésiterez lorsque vous aurez le catalogue dans les mains, à vous décider sur telle ou telle collection. Eh bien, du coup, je vous propose des échantillons au format 15-15 de ces fameux papiers design. C'est pareil, petit budget pour vous permettre ensuite, pourquoi pas, d'acquérir une collection complète. Les inscriptions, elles, sont ouvertes du 4, donc aujourd'hui, jusqu'au 30 avril. Et encore une fois, eh bien, vous avez tout le détail sur mon blog harmoniescrap.fr ou en MP si vous ne le trouvez pas, bien sûr. Voilà, c'est plein de nouvelles choses que j'ai mises en place là pour essayer de satisfaire un maximum de monde et puis pour faire attention aussi à votre portefeuille tout en continuant à se faire plaisir. J'espère que ces actions vous plairont. Coucou Mumu, bonjour Sabine. Maintenant que vous savez tout, eh bien, je vous propose que nous commencions notre projet créatif de la carte sans fin. Pendant que je change de caméra, profitez-en pour faire un petit partage de vidéo et sortir vos papiers si vous les avez déjà préparés. Tiens, elle n'est pas dans le bon sens. Voilà. Voilà la fameuse carte sans fin que je vous propose de réaliser aujourd'hui. Elle est trop belle et en fait, c'est un petit peu addictif une fois qu'on l'a dans les mains. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Moi, c'est un peu ce que ça me fait. Quand on commence à l'ouvrir et à la fermer, on ne s'arrête plus. Voilà, donc je l'ai réalisée celle-ci avec la collection Fleurs Fantaisistes, pardon. Et du coup, j'en profite aussi pour vous faire part d'une petite chose. Le club de scrap du mois d'avril est ouvert. Les inscriptions sont ouvertes dès aujourd'hui. Allez, je reviens vers vous vite fait. Je vous montre un petit aperçu. Vous avez déjà, d'ailleurs, pas plus tard, mais maintenant, vous avez sur ma chaîne YouTube le détail des créations que je vous propose. C'est un club ce mois-ci à prix mini-mini, il est à 15 euros hors frais de port pour réaliser 4 cartes originales que j'aime beaucoup. Je me suis éclatée à faire ce projet. Donc c'est pareil, les inscriptions sont ouvertes, mais elles jusqu'au 10 avril. Donc n'hésitez pas, eh bien, à... Oh Fabienne, décidément, n'hésitez pas à vous inscrire pour pouvoir réaliser ces 4 projets. Je les adore. J'avais oublié de vous dire ça. Et si vous voulez voir à la fin, rapidement les projets, à la fin de ce live, je pourrais vous les montrer si vous êtes sage. Alors, cette fameuse carte sans fin, regardez. C'est juste magique.
Et c'est reparti pour un tour de manège. On adore, ça détend, je trouve. Hein, je sais pas ce que vous en pensez. C'est trop cool. On s'arrête plus. Bon, je sais qu'il y en a plein qui paniquent un petit peu, mais vous allez voir à quel point c'est déconcertant de facilité. Bonjour Claudine, comment ça va aujourd'hui? Merci Marie-Christine. Alors, on y va. On se munit tout de suite de son coupe-papier. Hop, et de deux morceaux de papier uni. Je vous donne les mesures tout de suite. Pour la base, il vous faut deux morceaux. C'est un anti-stress exactement, Fabienne. T'as tout à fait compris. 14 par 10,8, il vous en faut deux. Ça va être l'essentiel de notre carte. On n'a besoin que de ça pour faire cette carte. Après, c'est que de la déco. Donc, c'est vraiment juste incroyable. Alors, vous allez avoir tout à l'heure sur mon blog la fiche technique où je reprends deux schémas, notamment pour vous expliquer comment réaliser cette carte. Donc, pas d'inquiétude. Si vous voyez que vous êtes un peu perdu pendant le live, regardez tranquille et vous ferez après. Alors, c'est parti, on y va. Les deux morceaux sont identiques, donc on va commencer forcément par le premier. On va faire deux plis verticaux de chaque côté à 2,7. D'accord? Donc là, ce n'est pas très très compliqué. On y va. On positionne. Alors là, je me mets sur la droite. Vous savez que j'aime bien, vu que je suis droitière, 2,7. Je retourne mon papier et je fais la même chose, 2,7. Ça sera donc le papier numéro 1. Voilà. Hello Coco, comment vas-tu? Uniquement deux plis. Et maintenant, on le met au format paysage. Et on va venir couper à la moitié, c'est-à-dire à 7 cm. On coupe à 7 cm. Voilà. Jusque-là, c'est assez simple. Donc ça sera le numéro 1. Je vais le positionner ici dans le sens portrait, c'est-à-dire avec mes plis à la verticale. Je prends le deuxième morceau de papier. Cette fois-ci, les deux plis latéraux se feront avec le papier au format paysage et les mesures sont cette fois de 3,5. Donc, je positionne à 3,5, je marque mon pli, je retourne complètement et de nouveau, je marque à 3,5. Ça va tout le monde? Vous arrivez à suivre? N'hésitez pas à me dire. Alors, ce que je vais faire, c'est que... Ah, voilà. C'est mieux quand je vois vos commentaires ici. Ok, maintenant qu'on a fait ces plis au format paysage, même principe que tout à l'heure, on va venir couper. Mais cette fois, on remet le papier au format portrait et on vient couper à la moitié, c'est-à-dire à 5,4. C'est bon pour tout le monde, vous arrivez à suivre? Est-ce que vous avez besoin que je répète les mesures? Ou pas. Tu n'entends pas bien, Nathalie? Ben, monte le son, ma poulette. Alors, hop, bougez pas, regardez. Voilà. Vous avez les mesures et les schémas sous les yeux. Nathalie, tu peux me noter. Et ça sera bon pour toi. C'est OK, 2,7 pour le numéro 1, 3,5 pour le numéro 2. Et les deux autres, on coupe à la moitié à chaque fois, dans ce sens-là et dans l'autre. C'est bon pour vous? Tout est OK? Alors, on va passer maintenant
au montage, au mécanisme de cette fameuse carte sans fin. Alors, est-ce que vous êtes prête? N'hésitez pas à me faire des petits coucous pour me dire que c'est bon. Ici, j'ai mon morceau de papier numéro 1, d'accord, dont on a fait les plis à 2,7. Gros bisous, ma petite Fabienne, prends soin de toi. J'espère que ta coupure n'est pas trop grave quand même, hein. Je t'embrasse fort. Donc, je disais, nous prenons le premier morceau de papier, d'accord, que nous avons plié sur les côtés à 2,7. On positionne notre papier comme ça, d'accord? Donc on a bien les deux plis sur les côtés et notre coupe ici. Ok? Donc on a les plis ici. On entend les oiseaux? Oui, tu dois pas entendre que les oiseaux d'ailleurs. Les grenouilles sont de sortie. Ok. Et ensuite, donc, la partie numéro 2 où on a fait les plis à 3,5, on va les mettre au format paysage. Ici, si je marque les plis, ça vous aidera peut-être plus que du coup avec le blanc, c'est vrai que... Hop. D'accord? Ok, ça c'est ces deux morceaux-là. Et là, ce sont les deux autres. Si je marque ces plis. Hop, ça devrait aller. Ok, alors, le but, c'est donc de laisser ces deux morceaux-là à plat. Nous allons venir mettre du double face aux quatre coins. D'accord? En considérant que c'est encore un morceau entier. Ok? Donc, là et là, là et là. Au centre, on ne met pas de double face. Et en fait, ce que l'on va faire, c'est de prendre donc ce morceau et on va venir assembler ces deux morceaux grâce à celui-ci et grâce à celui-ci. D'accord? Donc, on viendra, il faudra bien faire attention évidemment à aligner ces deux morceaux. D'accord? On viendra les coller par le haut et le bas. Et on fera de même avec le deuxième. Le principe, c'est ça. C'est pas plus compliqué. Et vous voyez, si vous apercevez la carte ici, eh bien on aura déjà la première face. D'accord? Est-ce que vous commencez à comprendre le principe? Je prends mon double face et je vais juste venir poser deux bandes. Voilà, l'une contre l'autre, comme ça. Aux extrémités, aux quatre coins, d'accord, ici, donc là je n'en mets pas, là je n'en mets pas non plus, mais par contre j'en mets ici. Une autre petite bande ici, juste au-dessus. Voilà, ok, donc j'en ai ici et là, mais pas là. Et on fait pareil de l'autre côté. Nathalie, tu reprendras après. D'accord? Ne t'en fais pas, tu reprendras après. Là, je colle mon double face et je vous réexplique. Tu sais bien que t'aimes pas faire en live en même temps, Nathalie. Toi, c'est après. Hop. Voilà. Peut-être que c'est un détail que je n'ai pas précisé, mais évidemment, on ne colle pas sur l'intégralité, hein, on s'arrête à la ligne de pli. Non, 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 non. Juste des petits bouts. Alors, je vais baisser ça, peut-être. Voilà. Ok. Juste deux petites bandes, simplement au coin. Aux deux coins du haut et aux deux coins du bas. D'accord?
Regardez. Vous voyez, ça c'est le morceau numéro 1. Ok. Les rectangles jaunes vous indiquent le double face. Et on colle, on met du double face jusqu'au pli. Vous voyez? Ne vous stressez pas. Voilà, vous avez l'impression que c'est un projet compliqué, mais en fait, pas du tout. Et du coup, si vous partez avec cette idée-là, vous allez vous compliquer la vie ou chercher des complications là où il n'y en a pas. C'est simplement, voilà, notre papier est coupé en deux. On vient déposer deux petits bouts de double face aux quatre coins des deux morceaux. D'accord ? Et ensuite, donc vous voyez, le trait rouge indique toujours sur mes schémas des coupes. Donc ça, imaginons que vous savez que ces deux parties sont désolidarisées. Donc ce premier-là, hop, toc, 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 il va monter pour être collé ici et là. Et le second, toc, 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 il va monter. On va venir le coller ici et là. Ça marche pour vous? Est-ce que c'est plus clair comme ça? Ok, allez, du coup, je vais pouvoir coller. Donc, on y va étape par étape. Première étape, je vais retirer. Super, Francine, merci beaucoup. La première partie de mon double face ici. D'accord. Et je vais prendre une de mes bandes. Donc, on fait attention hein, avec les plis comme ça. Et je vais venir coller bien au bord de l'angle en haut. On aligne bien en haut et sur le côté. Voilà. Ok, pour l'instant, ça donne ça. D'accord. Je vais retirer le morceau de double face. Et du coup, maintenant, il suffit de bien venir aligner les deux morceaux l'un contre l'autre pour venir les fixer avec cette bande ici. Si vous êtes plus à l'aise, vous pouvez retourner les papiers pour le faire dans l'autre sens. Hein. Aucun souci. Voilà, donc du coup là, mes deux morceaux, ils sont solidarisés par ma bande verticale. Et on fait pareil de l'autre côté. Toc. Donc je viens bien aligner partout. En haut, en bas, sur le côté. Voilà. Et maintenant, je peux venir retirer les deux dernières opercules du bas pour terminer de fixer l'ensemble. Oula. Mauvaise idée. Oh, non, il touche à rien. Voilà. Alors, est-ce que c'est bon pour vous? Est-ce que vous avez réussi? Est-ce que vous avez compris comment positionner ces morceaux de double face, assembler ce qui à la base était deux morceaux de papier? On les a transformés en quatre pour venir en faire un. Coucou Sandrine. Bonne balade en bus. Marie-France, c'est ok? Ah, super. Bon, ça me rassure un petit peu de savoir que c'est bon, il y en a qui arrivent. Coucou Martine, comment ça va? Pour celles qui nous rejoignent à l'instant, nous sommes en train de faire une carte sans fin qui est complètement addictive
En plus, c'est bien, ça fait travailler la dextérité des doigts. Je trouve ça parfait, moi. T'as vu? C'est juste magique. N'hésitez pas à partager la vidéo. Peut-être que ça pourra en aider certaines ou plaire à d'autres. Voilà. Quand on commence, on ne s'arrête plus. Hein. C'est sûr. À un moment, il faut s'arrêter. Ok. Le plus dur est quasi fait. Maintenant, on se munit de 100 plioirs à gaufrage que j'ai perdu encore. Ça, c'est quand même quelque chose. Je l'avais sous la main. Ah, si, il est là. Il était caché dans mon pot à crayon. Il suffit maintenant de venir casser les fibres de notre papier au niveau de tous les plis que nous avons faits pour pouvoir justement créer ce fameux mécanisme sans fin. D'accord? Plus vous aurez travaillé le papier et cassé les fibres avec votre plioir de gaufrage, et plus la mobilité sera évidente et facile. D'accord? Alors, on y va? Regardez bien ce que je fais pour que vous ne soyez pas perdus. Donc, j'ai bien mon papier comme ceci. Nous allons l'ouvrir. Toc. Et on va donner sa forme au papier. On met bien à plat. Hop. Et on vient aider justement ce papier avec le plioir. J'ai dit plioir de gaufrage tout à l'heure, c'est plioir en os. Je réagis seulement maintenant. N'importe quoi. Voilà. Ok. Je referme. On est comme ça. On vient l'ouvrir sur les côtés. Hop. On met à plat. Et on vient bien former les plis partout. Ça marche? Ensuite, vous allez l'ouvrir de haut en bas, comme ceci. Hop, et pareil ici. On se retrouve avec une sorte de croix. Même principe, on aide le papier. Et là, on se retrouve avec la croix. Je fais machine arrière. Donc, deuxième étape, on en est là. Gros bisous, ma mimi. Et là, on fait ouverture en haut et en bas. Et on se retrouve avec une sorte de croix. Et on marque bien tous nos plis partout. Ok? C'est bon pour vous? Et en fait, là, je suis toc à cette étape-là. Dernière étape, on va ouvrir de gauche à droite pour obtenir ceci. Donc, j'ouvre de gauche à droite. Et on est bien dans ce sens-là. Et du coup, quand on repart comme ça, hop, on est revenu à la page, à la face initiale, comme ceci. Ok? Alors, je vais faire l'ouverture sur les deux. Donc là, on a bien les mêmes faces. On ouvre à gauche et à droite. Ok. Bon, toi, tu tiens là, merci. Donc, par le centre, comme ceci. Ça sera la phase 2 ou la phase B, comme vous voulez. Je reprends ma carte, j'ouvre en haut et en bas, et on se retrouve avec la croix. En haut, en bas, j'ai ma croix. Ok? Et pour finir, de gauche à droite, ici pareil, et on a quelque chose de plus plat. Et enfin, pour finir, de haut en bas, et hop, on revient à notre face initiale.
Voilà. Est-ce que c'est OK pour vous? Dites-moi. J'espère que je vous ai pas trop perdu, que c'est calé. Alors, je vois que vous êtes en pleine concentration, parce qu'il n'y a pas beaucoup de commentaires aujourd'hui. Bon, j'avoue, c'est ça peut impressionner, on est d'accord. Mais n'hésitez pas à me dire si pour vous c'est OK, si vous vous en sortez, et si ça vous paraît un petit peu plus clair maintenant qu'on a travaillé avec le papier. Marie-France, c'est OK pour toi? Super. Je te remercie beaucoup, beaucoup de me faire part de ta réponse. Ça me fait vraiment plaisir et puis ça me rassure quand même. OK. Nathalie, c'est bon? Ah, ben voilà, tu vois? Super. OK, et ben maintenant, en fait, il nous suffit simplement de passer à la déco avec différents papiers de matage et du coup de papier à motif. Nathalie, t'es perdue encore? Oh, bon, tu feras après, il n'y a pas de problème. Première face, celle-ci. On va sur les papiers de matage. Je vais essayer d'être efficace et rapide pour le collage, puisqu'il y a beaucoup de papier à coller. Différents papiers de matage. Les premiers, donc 6,5 par 5, ils vont au centre. Et 3 par 5, ce sont ces deux-là. Je suis restée quand même dans le noir pour que ce soit un peu plus, pardon, un peu plus visuel pour vous. D'accord, donc on y va. On vient coller nos morceaux de papier de matage. Je vous laisse bien sûr les mesures à l'image. Coucou Anise, comment vas-tu? En forme aujourd'hui? Hop, on vient coller tous nos papiers de matage. Voilà. Là, je suis en train de coller les 3 par 5. Et maintenant, je colle les 6,5 par 5 au centre. Et donc, on est sur la face A ou la face numéro 1 de la carte. Merci beaucoup, Marie-Christine. C'est gentil. Ça me rassure de voir que tu devrais t'en sortir. Voilà, on a mis le matage sur notre première face. Je me suis levée tôt pour les liquidations. Oui, j'ai vu que tu avais passé une commande. Merci beaucoup d'ailleurs. Je suis contente de penser que tu as pu avoir ce dont tu avais envie. On attaque les papiers à motif pour cette première face. Les voici. 6,1 par 4,6. Il en faut deux. 4,6 par 2,6. Il en faut 4. C'est parti, on colle. Tac, tac. Je vous laisse les mesures ici. Je les laisse le temps que je colle et après je passerai aux différentes faces. Hein. Ok. Voilà. Et voilà. On y va. Déjà, ça va prendre tout son sens avec ces belles couleurs de la collection Fleurs et compagnie. Avec le printemps qui arrive, on a besoin de couleurs. Tac. Et maintenant, les deux du centre. T'es au boulot, Anise, aujourd'hui? Et voilà pour notre face 1.
Ah, t'es en pause. Je sais pas ce que ça donne si je coupe ma lumière. Peut-être que vous voyez mieux. N'hésitez pas à me dire. C'est OK? On passe à la phase 2. Je mets ça de côté et je prends le matage pour la phase 2. Là, ça va aller vite, il n'y en a pas beaucoup. Donc, on ouvre sur les côtés. Et là, en fait, donc, on ne vient décorer que les deux morceaux ici. Donc, pour cela, vous avez besoin de deux morceaux qui mesurent 6,5 par 5. Les mesures reviennent très souvent, hein, c'est logique. Toc. C'est parti, je viens coller ça. Ici et là. Voilà. Et pour le papier design, c'est facile aussi. Voilà. 6,2 par 4,6. Et de façon logique, il vous en faut deux. J'y crois pas, j'arrive à la fin de mon truc. C'est pour ça que je galère à le mettre. Il est joli ton premier projet. Celui-là, tu parles, Marie-Christine? La première version, fleur fantaisiste? On est OK pour la phase 2. On passe à la phase 3, la petite croix. Toc, toc, voilà. Alors, je les attrape. Et pour notre phase 3, il m'en manque. Ah, ils sont là. C'est des petits bouts, alors forcément. Il vous faut, toc, 4 morceaux qui mesurent 3,1 par 2,2. Et deux morceaux qui mesurent 6,5 par 5. Et donc là, on va coller, donc vous voyez, deux au centre et les quatre en haut, enfin deux en haut et deux en bas. Tout simplement. Ah oui, c'est Fleur Fantaisiste. C'est la collection que j'ai utilisée pour le club de scrap de ce mois-ci, Marie-Christine. Elle est trop belle. Voilà. Et mes quatre petits morceaux. Voilà. Hop. C'est parti. Là, il y a de grandes chances qu'on s'en mette plein les doigts, j'ai envie de vous dire. Mais c'est pas grave. Ah, celui que je viens de coller, c'est le papier hôtesse fleurs et compagnie. Hop, voilà. Et pour le papier design, il vous faut deux morceaux de 6,2 par 4,6 et quatre petits bouts de machin que je mets là, qui mesurent 2,7 par 1,8. Là, on est bien sûr, donc, la phase 3. Voilà. Je vous rappelle que les inscriptions pour le club de scrap sont ouvertes dès aujourd'hui. Un club de scrap petit budget puisque le kit uniquement donc matériel, vidéo et fiches techniques est à 15 euros hors frais de port. Donc c'est petit budget ce mois-ci. 4 créations de cartes super originales avec la collection Fleur Fantaisiste. Hop.
Et puis tous les autres clubs aussi pour le mois prochain. Les inscriptions sont ouvertes. Le club Incolore, le club Color ta vie, avec les nouvelles couleurs principales, entre autres, mais pas que. Et les échantillons de papier du futur catalogue annuel que j'ai commandé ce matin. Donc, le temps que je les reçoive et que je prépare vos petits cadeaux créatifs, vous recevrez votre version dans le mois d'avril, c'est sûr. Coller des petits bouts de papier comme ça avec la colle, dur dur. Voilà. C'est ok? Il nous reste une face à faire, la face 4. Ok. Donc là, hop, on ouvre grand. Le club d'avril, il est publié d'aujourd'hui, Annelise. Tu peux aller voir, il est la vidéo est sur YouTube. Pour la présentation, je vais vous les montrer sinon là après le, à la fin du projet sur ma chaîne YouTube et sur harmoniescraft.fr. Les matages pour cette dernière face, la face 4 de la carte, 6,5 par 2,3, il vous en faut 4. Donc pour les 4 ici et deux autres ici à 6,5 par 5 pour venir ici. Et là, je me rends compte que j'ai eu un souci avec mes lames. C'est vraiment cracra, j'ai horreur de ça. Hop, tiens, j'ai rallumé. J'ai profité du soleil, je vais faire un replay. T'as bien raison, Isabelle, profite du soleil. C'est ce que j'ai dit au début. Moi aussi, il fait un temps magnifique, ça fait du bien. Bon, en toute sincérité, aujourd'hui, j'ai absolument pas le temps d'aller en profiter, mais c'est pas grave. Le mois d'avril va être quelque peu chargé. Coucou Nathalie, t'as profité du temps pour nettoyer ta terrasse, t'as bien raison. C'est gentil d'être venue passer faire un petit coucou quand même. Ah, ça va être plus propre déjà. Hein? Allez, on y va. J'en profite pour vous informer que je ne ferai pas de live pour le lundi de Pâques. Je vais essayer de profiter un petit peu. Bon, en fait, je dis ça, mais je vais sûrement être en train de travailler. Mais du coup, je ferai pas de live. Mais j'ai quand même prévu, normalement, si tout va bien, de vous partager un projet enregistré. Mais je suis sûre que vous ne m'en voudrez pas. Voilà, lundi de Pâques, on est d'accord. Il faut parfois profiter un peu de la famille. Coucou Isabelle, comment ça va? Je vois qu'il y a des bêtises qui passent, ça y est. Je vais manger les chocolats. Ouais, il y a des chances. Il y a de fortes chances. Il y a de fortes, fortes chances. Faut scraper dehors. Ouais. Sauf s'il y a du vent. Là, c'est une vraie, vraie galère. Mais quand je peux, oui, oui, je le fais. Lundi de Pâques, c'est férié, t'as raison. Merci Isabelle, c'est gentil de me comprendre. Hop. Bon, mine de rien, ça prend du temps hein, de faire cette petite carte-là. Hein. C'est bien, Anise. Profite. Allez, hop. Il nous reste les petits morceaux de papier design pour cette phase 4. Moi, je vais aller chercher du chocolat demain. J'en ai qui sont un petit peu cachés encore. Hop, je vous les mets là, les mesures. 4 morceaux de 6,2 par 1,9 et 2 morceaux de 6,2 par 4,6. Mine de rien, ce projet, ça peut être le bon plan quand même pour utiliser les chutes comme un peu la carte rayon de soleil de la semaine dernière. Ça, c'est deux projets voilà,
qui vous permettent d'utiliser vos chutes de papier. C'est plutôt pas mal parce que du coup, la plus grande mesure de papier design là pour cette carte, c'est, si je ne me trompe pas, 6 et quelques. Donc a priori, c'est gérable. Nous, il fait beau là, ici, Isabelle. Mais c'est gentil de nous envoyer un peu de soleil. Hop. Alors, le temps de tout coller. Puis, vu que c'est des petits morceaux, les mouvements ne sont pas les mêmes. Hop. C'est gentil, je vous remercie de votre bienveillance et de votre compréhension. Encore une fois, je ne sais pas si je vais vraiment ne pas travailler du tout, mais je vous avoue que entre le kit album, la box mensuelle, les catalogues, les cadeaux catalogues et tout le reste, je vous avoue que j'ai pas de quoi m'ennuyer. Hop là. Plus ma rencontre de l'équipe au mois d'avril aussi. C'est un mois hyper chargé. Et voilà. Ça y est, j'ai collé tous les morceaux de papier. Coucou Daniel, mais il n'y a pas de retard. Tout va bien. Coucou Héloïse. Mais c'est que d'habitude c'est lundi, vous avez oublié, c'est normal. Vous regarderez le replay, j'espère que vous le regarderez, puis que vous me mettrez des petits commentaires quand vous allez le regarder, et puis pourquoi pas aussi le partager, ça peut être cool. J'ai découpé dans le papier noir et blanc avec la perfo, évidemment, deux ovales, qui est génialissime, qui est super sympa. Et du coup, alors je vais revenir sur ma face 1. Et du coup, j'ai eu envie d'utiliser Tahiti en mer. Parce que du coup, il est dans mon papier là. Et toujours dans l'idée d'avoir de la couleur. Hop, un petit merci. Ici. Voilà. Ça va être très mignon. Et du coup, vous allez me dire, ouais, t'es marrante, mais du coup, on écrit où? Eh bien, vous pouvez sans aucun problème rajouter des morceaux de papier blanc, par exemple, sur différentes faces. D'accord? Ça, c'est tout à fait possible aussi. Du coup, le papier blanc sera maté aussi par du papier design. C'est original et ça sera très joli. Bon après-midi, Nathalie. Bonne bronzette et bon courage pour ta terrasse, ma belle. Voilà, ce petit merci là en Tahiti en mer avec le matage en noir, ça ressort super bien. Et du coup, toc toc, voilà. Nickel. Un petit peu incliné pour que ça tienne. Et là, c'est parfait. Voilà. Alors, je ne sais pas trop comment faire avec cette luminosité là. Si je mets trop fort. C'est peut-être un petit peu mieux là. Et voilà, on a la deuxième version de cette carte sans fin. C'est magique. Bon, vous avez vu, c'est pas si compliqué que ça, hein. Petite astuce du papier double face, avec le double face et c'est bon. Les nouvelles Incolor qui vont bien changer. Ouais, mais c'est bien, on a besoin de changement aussi, c'est sympa. Merci Martine. Et du coup, voilà, vous n'avez pas fini de faire la tournotte. Merci Francine, c'est gentil. C'est trop cool. Bon. Ça y est, on a réussi, on est arrivé au bout du projet.
Vous allez pouvoir télécharger dans quelques minutes. Il faut me laisser quelques minutes de téléchargement et le temps de faire les photos aussi. Et vous pourrez télécharger donc toute la fiche technique avec toutes les explications dessus et notamment les schémas pour vous aider à vous souvenir de l'emplacement du collage du double face notamment. Donc là, vous aurez toutes les mesures, le schéma principal, le schéma qui vous indique où coller. Et puis les différentes faces, voilà, du coup, avec les papiers. Coucou Marianne, je ne sais pas si je vous avais vu. Merci beaucoup pour ce tuto. Je connaissais cette carte, mais je ne l'avais jamais faite. J'ai bien compris et je vais la faire. Bon après-midi. Merci Marianne, c'est adorable. Est-ce que vous voulez que je vous montre les projets du club de Scrap du mois d'avril? Est-ce que ça vous dit de faire un petit coucou? Alors, est-ce que vous avez envie que je vous montre du club de Scrap? Je vous propose une carte impossible dans un premier temps. J'adore cette carte. Elle est super sympa, je trouve. Voilà. Ensuite, je vous propose de réaliser ce que j'appelle une carte éventail. Hop. Et là, c'est pareil. Attention. Petite rotation. Et hop, on se retrouve avec une carte un peu volante et tout. C'est assez sympa. Tac, tac, tac. C'est magique. Ensuite, je vous propose de réaliser une carte Z, mais carrée cette fois. Attention. Hop, voilà. Avec une petite pochette ici. Alors, vous pouvez transformer bien sûr en mettant des photos par exemple, c'est assez original. J'aime beaucoup au format carré, on n'en voit pas souvent. Voilà, et on a cette petite pochette ici. Voilà, et pour finir, le quatrième projet, une carte double pli, très jolie aussi. Et là, pareil, vous pouvez le transformer en mini-album. Hein, et puis à l'intérieur, mettre des photos si vous le souhaitez, puisque regardez, c'est magique, ça s'ouvre. Donc vous pouvez aussi le transformer en mini-album, c'est tout à fait possible. Ici, j'ai embossé mon papier. Voilà. Oui, il n'y a rien de nouveau, hein. Le bleu, c'est Oasis d'orchidée, Annelise. Oasis d'orchidée, c'est les in-colors de l'année dernière. Voilà, ça c'est les quatre projets donc, que je vous propose de réaliser dans le club de scrap du mois d'avril. Le kit est à 15 euros hors frais de port. Les inscriptions sont ouvertes jusqu'au 10 avril. Vous avez toutes les infos sur le lien qui est en haut sur Facebook et dans la barre d'infos sur YouTube et toujours et encore sur mon blog. Allez dans le menu de harmoniescrap.fr et vous trouverez tout ça, l'inscription au club de scrap, l'inscription au club Incolor, l'inscription au club Color ta vie qui est sans engagement, d'accord? Vous pouvez vous inscrire à différents moments de l'année. Et les échantillons également des papiers à motif du futur catalogue annuel. Voilà, vous savez tout. J'espère que vous avez passé un bon moment. Moi, ça m'a fait super plaisir de vous proposer ce projet. J'espère que celles qui étaient les plus réticentes ont fini par s'en sortir. N'hésitez pas à partager vos versions avec le hashtag HarmonyScrap pour que je puisse moi aussi en profiter et l'ensemble de la communauté créative puisse profiter de votre version. C'est ça aussi le scrap, c'est partager et s'inspirer. Je vous remercie du fond du cœur. Donc, on se retrouvera en live dans 15 jours, puisque lundi, c'est Pâques. Donc, pas de live le lundi de Pâques. Merci, Martine. Si vous avez des questions concernant les différents clubs, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message et je vous y répondrai avec plaisir. Tu as du temps pour scraper dans un club? Non. Merci beaucoup, Anise. Je vous souhaite également de très, très belles fêtes de Pâques. Ne résistez pas à la tentation, hein. Faites-vous plaisir. La vie est courte, alors faites-vous plaisir. Je vous embrasse très très fort. Merci pour votre confiance, pour votre bienveillance. Prenez bien bien soin de vous et rendez-vous très bientôt, de toute façon, pour plein d'inspiration. Ciao tout le monde!